Et salut tout le monde, c'est Mr. Wolf, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Fear 2, donc ça doit être le 10e épisode, je crois. Donc dans l'épisode précédent, bah, Keegan, il avait pété un plomb. Et ça a été un épisode assez long, je voulais vous faire plaisir. Et là, je pense qu'on va revenir à un épisode assez traditionnel, donc dans les 25-30 minutes. Simplement parce que je pense que là, ça va faire peur. Donc je vais pas rester longtemps. Enfin bref, allez, on est parti. Merde. Ça commence fort, il y a déjà des répliques. Voilà, ça c'est fait. Ok, il y a une alerte qui a été donnée, fait chier. Voilà, allez. Merde. Il y a un sniper. Voilà, il n'y en a plus. Tuer un sniper avec une mitraillette, c'est quand même pas mal, hein. Alors par contre, je vais peut-être changer d'arme. Donc là, ça, ici, et ça, je le prends. Voilà. Comme ça, j'ai un sniper aussi. Parce que je sens qu'il va y en avoir d'autres, des snipers. Aïe! Ouais, il y a d'autres snipers. Toi, voilà. Et boum! Merde. Ah, chier! Alors le sniper c'est très bien, sauf quand il y a des ennemis comme ça. Hein. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y en avoir un là-haut. Je sais pas pourquoi. Bingo. Voilà, allez hop. Alors je sais pas ça si ça vous a 3-4, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et dans le premier épisode, moi ça me rappelle vachement ça. Le monde des ténèbres où on était avec Alma. Donc là, elle a pas réussi. Là, il y avait un trou avec la balançoire. Et on tombait là-dedans. Ah, ça me rappelle vachement ça. Après, je sais pas, hein, c'est peut-être mon imagination, mais. Peut-être passer par ici. Eh oh! Tu te calmes. Toi aussi. Je sais pas pourquoi, mais je sens arriver le gros bourrin. Bah voilà. Wow, wow, wow. Il est mort? Il est mort, yes. Par contre, je crois qu'il y en a un qui se planque. Ah bah, il a dû mourir aussi. Tant mieux. Ah bah non, il est là. Il est où? Ah, coucou. Voilà. Par contre, j'aimerais bien récupérer son arme. Par où je passe? Par ici. Voilà, nickel. Bon, allez. J'espère qu'il y aura Alma dans cet épisode ou des trucs qui y ressemblent. Bah voilà. Suffisait de demander. Ça ressemble à une salle de ciné. Qu'est-ce que c'est? C'est Keegan? Oh putain, c'était Keegan. Qu'est-ce que c'est? Keegan. Ah putain! Alma, dégage. Ok, bon. Et bah, comme je disais, c'était un épisode qui fait peur. Ouais. Ok. Donc on va essayer de trouver un autre chemin. Peut-être changer de munitions, voilà. Prendre des grenades enflammées. Ok. Il
Magnifique. Bon ben encore en mode Terminator aujourd'hui. Ça c'est génial. J'adore ce mode. Tirer des missiles avec R1. Ok. Ça c'est la visée. Aïe 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 aïe. Ok, les mecs en rouge, par contre, je les aime pas. Oh la vache, c'est quand même plus dur que la dernière fois. Voilà. Je commence à plus rien y voir. Ma machine se prend pas mal de dégâts, là. Voilà. Allez, 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 allez. Il meurt, eux. Ah, je suis si mauvais que ça. Ok. Là, il y a des lance-roquettes, mais je sais pas par où je me fais tirer. Il est où? Il est où? Il est là-bas. Ah, ok, c'est un robot. Enfin, une armure. Voilà. Je suis en train de me faire littéralement dégommer. Ah, je pensais pas que c'était aussi dur là. Je pensais pas que ça aurait été aussi dur cette phase. Parce que là, avertissement, c'est pas bon. Bon, ça va, là, je pense que l'armure se régène toute seule, donc... vision thermique. Ça c'est rien, là-bas il y a rien. Là-bas. Ok, je vais enlever la vision thermique parce que je vois quand même mieux sans, bizarrement. C'est assez paradoxal mais... Ok. Oh ça va, mon armure elle se régène. C'est bien ça. Là il y en a un. Je sais pas où est le... Il y a un lance-roquette, hein. Quelque part, il y a un lance-roquette, ça j'en suis sûr. Ah bah il est là, il est là, il est là, oh! Une machine et un lance-roquette. Allez! Tiens, prends ça toi. Toi aussi. Hop. Bon, et ils sont où? Hop. Oh putain, le mec il arrive à peine, il me déglingue. C'est la guerre! Oui! Là je tire des missiles parce que sinon je pense que je vais pas m'en sortir. Et là il y a un gros truc rouge, je pense que c'est un robot. Bingo. Allez les missiles. Ah, peut-être attendre un peu que l'armure se régène. Ouh, ça devient chaud cacahuète. Je pensais pas que la deuxième phase aurait été aussi dure. Bon, tant mieux, ça met un peu de piquant. Vision thermique, on va vérifier qu'il y a personne. Non. Bon, il y a personne. Allez. On continue. Oh, c'était quoi ça? J'ai un lance-roquette au cul? Wow, 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 wow. Ah, et là, il y a un gros, il y a un gros, il y a un gros.
qui fait bien des dégâts. Tiens, voilà. Je pouvais plus tirer à la mitraillette, je sais pas pourquoi. Voilà. Ouais, missile armé. Là. Voilà. Allez, on sort. Je pense qu'on a fait le ménage. Alors, on a bien fait le ménage même. Bon alors, par où je vais? Par ici. Et j'aime pas cette lumière rouge et le fait que ça grésille. Ok. Des fantômes. Des âmes torturées. Elles me feront rien, hein, donc j'avance, hein, je tire pas dans le tas. Ok, ça c'est pas bon par contre. Là-bas il y a quelque chose. Il y a quelqu'un là-bas. Ah mais c'est Keegan. Qu'est-ce qu'il fout là-bas, Keegan? Oh, Keegan, ça c'est pas bien ça. On disparaît pas comme ça. Ça fait peur. Par ici. Ouais. Putain, ça devient grave là. Ça devient glauque. J'aime pas ça. Je pense qu'on se rapproche de plus en plus de Alma. Hop. Putain, avec toutes les armes torturées, je pense qu'on est pas loin de chez Alma. Par ici. Non. Non. Par où je passe? Par là. Hop. Ouais. Ah la vache. Ah, ça devient chaud, il y a les ponts qui se cassent la gueule et tout. Alma, quand elle fait du dégât, elle y va pas à moitié. Parce que tout ça, là, ça peut pas être les réplicas, hein. Enfin, je pense pas. Du moins, je pense pas que ce soit les réplicas. C'est un peu trop gros. Eh, Keegan. Keegan. Oh, purée. Il m'énerve à disparaître comme ça. Ok. Bon, bah, fin de l'épisode, mais j'ai envie de continuer quand même. Parce que je... Là, je pense qu'on est qu'à 10 minutes et quelques, à peu près. Peut-être 14. Peut-être qu'on est à un quart d'heure. Mais je veux pas faire une vidéo d'un quart d'heure, hein. Si j'ai plus de restrictions YouTube, c'est pas pour faire des vidéos de moins d'un quart d'heure. Hein. Donc on va continuer. Ça commence à s'intensifier là. Je pense que dans le prochain chapitre là, Alma elle va être présente. Parce que là il y a beaucoup de combats avec les réplicas quand même. Un peu trop à mon goût d'ailleurs. J'aimerais bien un peu plus d'horreur. Et je pense que je vais être servi. Bon, j'ai été un peu interrompu, hein. Je vais pas couper la vidéo pour ça. On va réussir, on va réussir. Ah oui, je me souviens de ce passage. Donc là, je suis dans les tunnels de pour aller vers l'île. Ouais ouais, erreur système critique, ouais, je suis au courant. Par où je passe? Par ici. Ouais, aïe aïe aïe, oula. Bon bah, par ici, hein. Je vois que par là, hein. Puis de toute façon, il y a une sauvegarde automatique, donc...
Je me doute que c'est par là. Erreur système, oui, je sais. Oh purée. Ouh. Putain, les caissons sont vides maintenant. Les caissons réplica sont vides? Ah, pas tous. Me disait bien aussi. Oh la vache! Oh le con. Oh le couillon. Toi, t'es un petit peu couillon. T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Ah, je rêve ou ils ont pas de masque là? Oh, ils ont pas leur casque. On va voir à quoi ça ressemble sans un casque. Ah ouais, c'est moche. On dirait un lapin. Ils ont une tête de lapin. Bon, ok. Une tête de lapin. Ah, un document. Opération manuelle de système de transport des... Ok, bon, je m'en fous. Ça, à mon avis, je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin. Ok, je suis sur une sorte de train. Voyons voir. Voilà, ouais, je suis sur un train. Donc là, je me dirige vers Steel Island. C'est bien. Je sens que je vais avoir des réplicas sur le train. Je sais pas pourquoi, je le sens. Je préfère me mettre là. Faire me mettre là au cas où. Ok. Bon bah j'avance hein. Aïe aïe. Aïe aïe. Toi là-bas, tu lâches mon train. Voilà. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Mais ils sont où? Putain, je les vois pas. Je les vois pas, mais eux, ils me voient. Ok, bon, bah, je... Aïe. Et aïe, voilà. Coucou. Qu'est-ce que tu fous là-haut, toi? Ah, ça y est, il débarque. Non! Hop. C'est quand même moche un réplica, hein, sans son masque. Voilà. Merde, je voulais pas changer d'arme. Je me fais tirer. Voilà. Par contre, j'ai plus beaucoup de vie. J'ai intérêt à faire gaffe. Ou à ce qu'ils ont de la vie sur eux. C'est bien aussi. Voilà. Bon, alors maintenant, comment je libère mon train? Parce que là, ils sont tous sur moi. Il y en a plus? Ah, si. Bon alors, faut que je passe sur l'autre truc. Je passe de l'autre côté, c'est ça? Voilà, t'es mort. Contrôle manuel activé. Ah merde. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui se passe?
Non. Ouais, mais non. Je sais pas ce qui se passe. Non, mais... Voilà. Précision. J'en ai marre des réplicas, cassez-vous. Moi je veux shooter Alma. Allez, allez, allez. Ouais. Il y en a combien, sérieux? Bon alors, je peux pas... Je peux toujours rien faire? Eh merde. Toi, tu meurs. Oh la vache, il y a un fusil à pompe. Il me faut de la vie, il me faut de la vie. Bon, j'ai un point de sauvegarde, c'est bien. Bon, et je passe comment? Wow! Oh putain, la surprise! Bon, bah je suis mouru. Génial. Allez, ouais, je continue, ouais. Je peux pas rester sur une défaite. Oh, le mec il a paru comme ça devant moi, j'ai pas compris. Allez, je reprends avec la même vie. Ah, c'est pas cool ça. Comme ça, toi, tu m'auras pas. Non, mais une fois pas deux, hein. Voilà. Hop. Changer d'arme. Parce que j'ai plus beaucoup de munitions. Faut une trousse de soins. Il y en a une là, ça tombe bien. Voilà. T'es vu toi, hein? Non mais... Je suis un bourrin! Allez, 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 allez! Lâchez-moi de la vie! Contrôle manuel activé. Système. Allez hop. Alors je sais pas ce qui va se passer. Apparemment c'est pas bon. Attends, c'est qui gagne là? J'ai vu Keegan, j'ai pas rêvé. Ok, alors la vie fait la tronche. C'est Keegan? Eh, hey, zombie! Oh putain! Purée! Il se dé. Putain, il se téléporte quoi! Keegan! Attends-moi, j'arrive! Ok, bon bah comme j'avais dit que j'allais chier, bah je suis en train là. J'aime pas trop cette ambiance. Pas trop. Y'a des ninjas.
Ah! Je t'ai vu. Il me faudrait de la vie, moi. Oh putain, je croyais que c'était un ninja. Non, c'était un. C'était un truc de merde. J'entends qu'il gagne, mais je le vois pas. Alors là, il y a une trousse de soins là-haut. Je vais essayer d'aller la choper. Ah, il est là. Qui gagne? Eh, mon grand. Il y a encore des ninjas. J'en ai vu passer un là. Comment je vais récupérer la trousse de soins qui est là-bas? Bah, apparemment, je peux pas. Ninja. Ok. Bon, bah, je continue, hein. Ouais, je vérifie que mon PC ne chauffe pas trop. Si, il chauffe, donc petit ventilo. Oui, petit aujourd'hui. C'est, je sais pas si vous l'entendrez, mais normalement il fait moins de bruit. Ce serait un peu mieux. Kylian est là-bas. Il est là-bas. Et qu'est-ce qu'il fout? Gagne. Oh purée. En plus, je sens que je vais me faire dégommer par des ninjas. Je sais pas pourquoi. Il va falloir que je leur rejoigne. Hein. J'ai pas le choix. Hein. Il est déjà plus là-bas. Purée. Ok, ouais. Pourquoi ça veut pas monter? Ça monte? Ah, nickel. Et je sens que je vais me faire dégommer, mais maintenant. Non? Magnifique. Ah! Je t'ai vu, hein. Non, mais. Alors, de la vie, ça c'est cool. Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Je crois que j'ai vu ton pote aussi. Et merde! Y'en a combien? Y'en a encore un, y'en a encore un, y'en a encore un. Il est là. Elle, ninja là, reviens. Hop là. Voilà, t'es mouru. Oui, de la vie. Hop. Qui gagne? Je l'entends, mais... Purée, il y a encore ninja. Ninja! Ah, il est là-bas. Bon, qu'est-ce qu'il fout près de la lumière? Ne va pas vers la lumière, qui gagne. C'est connu, la lumière, c'est la mort. Et moi, niveau vie, là, je commence à faire la gueule. Et niveau munitions aussi. Prendre ça. Prendre le fusil à pompe. Oh, putain, va falloir que je le rejoigne. Allez. Alors, si je pouvais avoir un peu de vie, au passage, ce serait sympa. Ce serait vraiment sympa que je puisse avoir un peu de vie. Bon, alors, ça, je l'allume. Ninja. Voilà, plus de ninja. Ouais, d'accord. Moi, je voulais une vie complète, hein. Je voulais pas juste un petit truc. J'arrive, Keegan. Tu bouges pas. Wow, 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 wow. Je crois qu'il y en a un autre qui m'a charcuté pendant que je tuais son pote. Bon, on continue.
Elle apparaîtra bien à un moment ou à un autre. Genre là. Voilà. Bon, qui gagne, tu bouges pas, j'arrive. Putain, il est déjà parti. Bon, bah, allons vers la lumière. Je vous ai dit de ne pas approcher. Eh oh, oh, tu te calmes? Toi aussi? Voilà, un peu de vie. Bon, bah, Keegan, il commence à péter les plombs. Ninja! Voilà. Par ici. Ouais. Alors là, c'est un sniper. Pourquoi j'ai besoin d'un sniper? Qu'est-ce qui se passe? Yo, ça c'est de la porte. Bon, bah je vais prendre le sniper. Hein. On me donne un sniper, je suppose que c'est pour m'en servir. Ah oui, en effet, oui. Merde, il est où? Aïe aïe! Non, me dis pas que je vais mourir. Bon, bah je suis mort. On va arrêter ici pour aujourd'hui. Je pense que là, l'épisode est un peu plus chargé. Donc on reprendra à ce moment-là, au moment où je viens de me faire descendre. Allez, bah en espérant que ça vous ait quand même plu, je vous laisse un petit suspense, je vous laisse sur la fin, je vous laisse sur votre fin, comme ça je finis pas l'épisode, enfin je finis pas le chapitre, je finirai la prochaine fois. Allez, bah sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous aimez, mettez un petit pouce. Si vous connaissez pas cette aventure, que vous voulez la suivre en ma compagnie, abonnez-vous, hein, ce sera déjà ça. Et puis sinon, moi je vous dis tout simplement, portez-vous bien, puis à la prochaine.